Il s'y passe toutes sortes de trucs. On pourrait y trouver quelque chose d'utile. Oula. Dis-moi s'il te plaît que c'est pas ce que je crois. Réfléchir une seconde. Je vais faire un tour à Jigstrix. On va tenter notre chance sur le Darknet. Non. Je crois que j'ai une meilleure idée. J'ai vu un sex shop sur Jigstrix. Ils y vendent toutes sortes de trucs. Tu crois qu'il y a une déesse de la tête de mort? Ça coûte rien d'aller voir. En attendant, je vais voir si je trouve quelque chose sur le domaine NCP. Je vais attendre dans le van. Ok. Allez, bye. Ça, c'est à 70 mètres. Voilà, c'est ça les gars qui me distrait. Voilà. Et j'ai trouvé en fait d'où ça vient. Ça vient de là. De là. De là, là, là. Tout simplement. Qu'est-ce que c'est ça? Ah non, prostituée, non. Laisse tomber. J'ai un truc qui va te faire bander toute la nuit. J'ai ton imagination. Oula. Bah, pourquoi tu... Je cherche un truc spécial. Une déesse qui me fasse vraiment... Plutôt érotique? Non. Plus hardcore. Vous ne trouverez pas ça ici. Mais il y a un type sur Jig Jig qui a des produits spéciaux. Genre vraiment très spéciaux. Merci frérot. J'ai un truc qui va te faire bander. Oui, c'est bon. Oui, c'est lui. Ouais, c'est le dealer de drogue. Vous avez quoi? Je t'ai déjà parlé. Des vertus. Des spéciales aussi. Ouais, on va dire ça. Ceux qui connaissent n'ont pas besoin de demander. Je cherche des déesses. Un genre spécial. Spécial? Vous êtes flic? Je veux le genre avec la tête de mort dessus. Donnez-moi le top du top. Celle avec la tête de mort dessus. Je pensais pas avoir affaire à un connaisseur. La tête de mort a un prix, vous savez. Vous avez quelque chose qui pourrait m'intéresser? La fierture du phénix. À tête de mort. Ah, c'est ça. C'est ça qu'il faut. J'ai 6000. Je l'ai acheté. Je l'ai acheté ou je l'ai pas acheté? Je pense que je l'ai acheté. Un dealer, il a 9000. C'était un plaisir de faire affaire avec vous. Non, ouais, ça veut dire que je l'ai acheté. Il me reste 6000, mon bof. Ça va en vrai. J'adore comment il court vite, quoi. Un homme prostitué, bon, ouais, ouais, ça existe. Ah, t'es là, toi. Allez, monte. Ouais. Je prépare tout. Toi, installe bien la couronne sur ta tête. Tu regarderas pendant que j'édite en temps réel. On va bosser en tandem. J'attends plus que toi. Je veux que tu me décrives ce que tu vois, au cas où un truc m'échapperait. Ok. J'aime pas ça, j'aime pas ce truc-là. Oui.
Non, lâchez-moi. Wow. What the fuck? What the fuck? Ah, pff, ouais, ma dédition. On l'a commandé récemment. Une des os. Je pensais pas qu'il tournait des DSX en plus de couper les gens en morceaux. Des os, c'est sûr. Personne n'oserait se serrer comme ça. C'est moche. Une boîte ordinaire, avec le logo de Decker, Tanaka et Rogers. Rien d'anormal au milieu des déchets. Non, c'est qui lui? Il y a un logo électrique Corp sur la combinaison. Rien de tel que la bonne odeur du café synthétique bas de gamme. Il est froid. Bacchus Slice. Le café était froid, il devait dater de la veille. La pizza, par contre, elle avait l'air fraîche. Et donc? Ça veut dire que quelqu'un se fournit régulièrement chez Bucko Slice. Et il y a peu de chances que ce soit pour la fraîcheur ou la qualité des ingrédients. Leur pizza ressemble à du polystyrène. Personne ne va traverser la ville pour bouffer ça. Bon, ce qu'on cherche... J'ai déjà entendu ce genre de bruit. Ça doit être des désosseurs. Electric Corp avait un complexe. La radio est à fond. Il y a un Bucko Slice. C'est sûrement pour couvrir les cris. Comment être sûr que c'est là-bas? Il y a peut-être un truc. Oh, ouais, tu l'attaches. Ouah, flippant. Bon. Direction la vieille centrale électrique Corp de Charter Hill. Va falloir se contenter de ça pour l'instant. On tirera rien d'autre de cet enregistrement. Bon bah, let's go, la centrale électrique.
Bon, je pense que vous avez remarqué, passez la vidéo hein, si vous voulez que le chargement se fasse. Pas de temps à perdre. Je suis d'accord, je t'emmène. Ok, on y va. Alors en route. J'arrive pas à me le sortir de la tête. L'extrait de vertu qu'on a vu avec le sphinx à tête de mort. S'ils enregistrent que du snuff, alors... Arrête. J'ai oui. Elle écrase des gens comme ça, au calme. Qu'est-ce que tu veux dire? On parle d'une fille qui a un don pour ce qu'elle fait. Et qui possède un implant de poupée, en plus. Franchement, on trouve pas ça à tous les coins de rue. Passer le trajet. Parce que en vrai on s'en bat totalement les couilles du trajet. Surtout si c'est trop loin. Les copains. Ya. Trouve un moyen d'entrer. Je vais rester là pour scanner le sous-réseau et voir s'il y a des plans du complexe qui traînent. Je te rejoins dès que j'ai trouvé quelque chose. On reste en connexion. Ok, j'entre. Ok. Ah donc là j'ai une arme tranquille, wesh. Attends, déjà je vais les marquer. Hop. 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 Ok. BD55. Je sais pas qui c'est, et comme ça je peux lui faire plus. Court-circuit. C'est pathétique. Ok. Par contre, niveau balle, je suis un peu dans la merde. Je suis pas mentir. Ah non, mais merde. Allez hop. Putain, par contre, ouais, cette arme, je sais pas la gérer. Ouais, quand je sais pas gérer des armes, c'est pas bien. Merde. Ah non, il y a quelqu'un d'autre en plus. Ouais. Voilà, comme ça t'es mort. Aïe aïe aïe.
Aïe, fait mal, hein. Meurs, frère. Oh, putain. Sur moi, ça me fait des munitions. Ah, la même chose, ça me fait des munitions. Hop. Revolver pour l'instant. What? Je t'ai demandé un revolver, frère. Donc, quand je te demande un revolver, tu prends un revolver, d'accord? Merci. Allez, viens la poupée. J'arrive dans une seconde. Essaye de rejoindre les niveaux inférieurs. Frère, mais le 6 coups, j'ai trop bien de jouer. Par contre, c'est pas trop tôt. Cette arme-là, elle est améliorée. Non, jure, oui, je sais. Mais elle est pas... J'ai pas trop bien la gérer. Mais ça fait quand même des armes. Hein. Ma vie là par contre. Vas-y hop, toi je te désactive. Non, non, pas contrôler, non. Non, nique ta mère, je voulais pas. Non, ta mère. Tu viens de dire un truc pour rien, bah ouais. Ouais, je viens de dire un truc pour rien. Bon, tant pis. Alors. Ça, non, je prends pas. On va prendre. Est-ce qu'il faut que je prenne au juste en fait? Il me faut 9. Non. On va peut-être aller en haut. Non. What? On fait trop de choses. Retirer les objets inutiles. Ah, c'est pour ça alors que je suis lourd. Parce que je transporte trop de choses. C'est bon, je suis au courant maintenant. Je ne savais pas. Je viens d'apprendre un truc. Arsenal. Hop. Ça dégage. J'ai deux fois la même arme. Ça dégage. Même chose. Deux fois la même arme. Ça dégage. Je crois que j'ai deux fois ce pistolet là. Attends. Bah attends, celui-là c'est exactement le même. Ah non, ça. Ah non. Celui-là, c'est l'équivalent de... Ah, celle-là, c'est l'équivalent de celle-là. Mais en bas. Bon, je sais pas, je la garde parce qu'elle est stylée. Est-ce que j'ai deux fois cette arme-là? Ah, par contre, j'ai deux fois cette arme-là. Hop, ça, on enlève. Ah bah, la même chose. Ouais, du coup, celle-là, je peux l'enlever. Hop, là. Bah... Ouais, du coup... Ouais, ça, du coup, je peux l'enlever. Ouais, c'est plein de fois la même arme tout le temps. Ah non, en fait, j'ai compris. J'ai compris pourquoi, en fait. C'est bon, je viens de comprendre. Parce que ça, du coup, puisque j'ai sectionné sur cette arme-là, eh ben du coup, ça me dit celle-là, elle est plus puissante que celle-là, par exemple. Ah, d'accord. C'est, le pompe est plus puissant. Attends, les pistolets sont plus puissants. Bah, attends. Est-ce que le rouge, là, non, le rouge il est moins puissant. Celle-là, moins puissant, moins puissant, moins puissant, moins puissant, moins puissant. Ah bah attends, c'est la même arme là. Bah ouais, hop là, tu dégages, frérot. Moins puissante, plus puissant. Attends, ça veut dire que là j'ai deux fois la même arme? Non. Moins puissante, plus puissante, plus puissante, plus puissante. En vrai, je crois que je vais aussi prendre un pompe pour le corps à corps. Hein. Hop là, voilà. Le match, j'ai vendu. Nya.
BD, BD 55. BD, BD. Ah merde. Il y avait un... Ouais, mais de toute façon, il n'y avait pas d'autres BD, donc ça aurait pu être BD. BD. Ouais, là, il n'y aurait pas eu. BD, BD, BD. Et 55. Oh, mais c'est bon. Je comprends pas ce qu'il faut faire. Non, en fait, fallait juste aller en bas, en fait. Ça s'ouvre ou ça s'ouvre pas, du coup? Ouvre-toi, Sésame, ouvre-toi. C'est pas possible, hein. Attends, je vais redescendre. Bon, puisque ça revient ici. Ah ouais, 60, j'étais pas dans la zone. Attends. Ok, je vois que c'est là-bas. Le truc, il est là-bas. Donc, je cherche quoi, au juste? Trouver un moyen de rejoindre les niveaux inférieurs. Ah, mais en fait c'était là. Ah, mais ça fallait le dire, frère. Je bah, bah aussi, en plus j'ai l'objectif, je regarde même pas, donc Trouver un moyen de descendre. Putain, je suis vraiment con. Désolé les gars, désolé, vraiment désolé, parce que je regarde pas les... Je t'attends? Non, au moins non. Bon, allez, quoi, t'es déjà là? What the f... Mais comment t'as fait pour venir, frérot? Ouais. Plateau, je te marque. Plateau, je te marque. J'ai dit... Toi, je te marque. Toi aussi, je te marque. Hop là. De côté de cette pièce. Ok. Et pour eux? Je pourrais simplement les éliminer à ma façon. Fais comme tu veux, mais fais-le maintenant. Ok. C'est un nain qui va être discret. Moi, ma façon. C'est la façon. Hard! Ça, c'est ma façon. Façon hard. Voilà. Non, jure. Genre, vraiment, si tu nous entends pas, il y a un petit problème quand même. Hein. Merde. Aïe, ça fait mal. Bah, toi, planque-toi, hein. Quoi? Mais pardon? Mais quoi? Mais je suis mort par quoi? Mais j'ai vu du feu, donc à mon avis c'est que j'ai été dans le feu. Mais normalement ça fait du bruit quand tu brûles, ça fait... C'est peut-être une explosion, mais normalement une explosion tu l'entends, t'entends que ça fait... Donc là t'es signalé que tu vas mourir. Mais là frère, ça m'a même pas fait boum. Signe de base, quand il y a du feu à côté de toi, on dit attention du gaz. Enfin, quand il y a une bonbonne de gaz à côté de toi, tu dis attention du gaz. Tu ne dis pas... Enfin, tu ne dis pas rien, en fait. Oh, Ok, c'est bon, recommence là. Là. Il faut qu'on accède au couloir de l'autre côté de cette pièce. Ok.
Il n'y a pas un truc pour les distraire l'ennemi. Et pour eux ? Je pourrais simplement les éliminer à ma façon. Fais comme tu veux, mais fais-le maintenant. Ah, j'aime pas ça du tout. Alors tu peux me croire. C'est lui le boss, non ? Alors il a la vie qui va avec, normal. C'est le boss parce qu'il peut la mettre profond à des gonzesses, voilà. Des gonzesses comme toi. Attends, ce que je comprends pas, c'est que la meuf elle est en train de se fight, elle dit attends, ils nous ont sûrement entendu. Pas de logique quoi. Déjà vous avez pas de shoot, donc j'ai pas à avoir peur de vous. Enfin attends, il est sorti, on l'a rafalé à deux. De toute façon ils vont pas tirer, laisse tomber, ils vont pas tirer. Ah, tu vas m'enculer. Je suis pas très très d'accord quand même, hein. Mais bon. Pourquoi ça me sert de me planquer, frère? C'est bon, hein. Non, c'est pas fini. Ouais, moi j'y vais. Ah oui. Voilà. Bra, t'es mort. Non, minigun. Attends, minigun, je pense que ça va m'intéresser, ça. Ouais, vas-y, à la place... Voilà, du pompe, hein, vas-y. Ah, merde. Oh, plein potentiel déverrouillé avec un autre... Oh, je suis dégoûté. Bah du coup, bah rip. Il est mort pour rien. Enfin, on m'a quand même agressé, donc il est pas mort pour rien en fait. Il est mort parce qu'il m'a agressé. Et de la bouffe. Vous l'aurez voulu. On est C4. Ah non, j'ai cru, mais non. Bah c'est moi. Je t'avais même pas vu en plus, hein. Wow! Je rêve où le mec là, un katana là! Calme-toi, frère! Il m'a fait peur! Oui. Mais je comprends pas en fait comment je brûle. Ok, cadavre. D'accord, y'a rien du tout en fait. Mais je peux pas avancer en fait. Oh, il m'a bloqué. Ah non, moi je peux avancer comme ça en fait. Mais non, ma pote. Elle est où ma pote, frère? Non. Ah, surchauffe. Ah, ok, c'est quelqu'un qui me hack en fait. D'accord. Je suis pas d'accord.
Ouf. J'utilise pas souvent une grenade. Je devrais en utiliser plus souvent, ça fait quand même de lourds dégâts. Non, ouvre-moi ça. Je savais très bien que t'étais là, frérot. Mais elle est où ma pote en fait? Je sais même pas où elle est. Trouver Evelyn. Ok. Donc c'est à dire qu'elle est là-bas encore. Ah mais moi faut aller là-bas, mais sauf que moi c'est bloqué en fait. Mais je peux passer par l'autre côté, bah oui. Oh, ça me dit d'aller là-bas. Je peux directement aller là-bas, ça revient au même frère. Voilà. Où est-ce que t'es? Près du studio je crois. T'as trouvé quelque chose d'utile? J'ai débloqué l'ascenseur, ça devrait faciliter. Ah très bien. T'aurais pu continuer de parler, hein. J'avançais tout simplement. C'est une ligne. La touche pas. Si elle enregistre, tu vas lui bousiller le cerveau. Attends que je coupe sa liaison. Attrape-le et dis-moi quand tu tires dessus. Je vais couper la liaison de mon côté en même temps. Ok, on y va. Ok, c'est parti. 3. D'accord. Putain, merci. Evelyn, tu m'entends? Il faut l'emmener en lieu sûr. Ouais, et s'entraîner. Par où on va? J'ai condamné les portes, et j'ai redémarré les ascenseurs. Aux ascenseurs, alors. Wesh, Evelyn, ça va? Tranquille ou quoi? Ouais, c'est bien, hein. Toi tu peux courir, hein. C'est trop là, moi je peux pas. Trop lourde la meuf. Tu viens? Partir, bah, let's go. Hein. Il y a tout le temps des chargements, frère. Partout où je vais, il y a au moins. En fait, par jour, je crois que j'utilise au moins 100 chargements, frère. Même plus. T'as vu un truc, frère? Santo Domingo, centre-ville. Haywood, Pacifica, Westbrook, Watson. Centrale nucléaire. Allez, quoi? C'est si dur que ça? Allez, juste une. Pour moi. Fumer, c'est juste pour se la péter. En plus, ça pue. Ok, déballe tes conneries, mais grise-en une petite. Non. Oh putain, fallait que je tombe sur quelqu'un qui fume pas. Allez, on entre. Ouais, assez poireauté. On n'est pas revenu de l'enfer. Poireauté ? Mais jamais je dis ça, moi. Elle s'est endormie. Enfin, je crois. Elle a les yeux fermés, elle a arrêté de trembler. J'aurais bien envie de l'étrangler, si elle me faisait pas autant de peine. Tu lui en veux? Pourquoi? Quand tu m'as demandé d'explorer sa puce comportementale, j'en ai eu ma claque de tes conneries. Judy, j'avais pas d'autre... Je sais. C'est bon. Alors, je sais pas pourquoi... Tu vas vite le savoir. Je vais te montrer les vertus que j'ai trouvées. Ok, fais voir. Une seconde, faut que je configure les paramètres. On va bientôt savoir si la poupée a vraiment les fusibles grillés. Allez, V. Je suis le premier à l'admettre. Ça se présente mal. Oh, si c'est pas mignon. Salut. Comment tu te sens? Il te faut quelque chose? Je viens pas t'emmerder. Juste discuter.
Je sais, c'est pas le bon moment. Mais j'ai une question. Tu saurais pas comment retirer la biopuce? Ou t'aurais pas le nom de quelqu'un qui saurait? Écoute, Evelyne. J'ai vraiment besoin de ton aide. C'est important. Si je fais pas quelque chose rapidement, je vais mourir. T'as raison, ouais. C'est une vraie perte de temps. Tu es beau gosse, frérot. Salut. Il te faut quelque chose? Non, nique ta mère. Je viens pas t'emmerder. Juste discuter. Oui, sa bouche ne parle même pas. C'est une vraie perte de temps. Ouais. Assieds-toi. Ok. Vas-y, au revoir. Les données étaient salement endommagées. J'ai pas pu les éditer tant que ça. Je suis déjà content que t'aies pu les récupérer. Il faut attendre que ça charge. La qualité est pas terrible, mais j'ai fait au mieux. Eh ben. Désolé les gars si mes vidéos sont longues. Mais c'est parce que si seulement je saurais. Ça faisait combien de minutes que la vidéo serait lancée. Je m'aurais dit ok, je m'arrête là. Mais là du coup je sais pas. Du coup je me dis je dois terminer mes missions. Moi je termine mes missions, c'est bien. Il faut la configuration complète de la pièce. La vertu se chargera de nous fournir tout le reste. Jette un coup d'œil si tu veux. Je m'occupe pas de ces messages. Non. Sauf si tu peux le faire discrètement. Le plus important, c'est qu'il ne se doute de rien. Sois naturel, détendu. Et s'il commence à parler de la biopuce, qu'est-ce que je fais? La biopuce? Comment tu es au courant? Ça ne te concerne pas. Tu filmes la vertu, tu reviens ici, et on te donne tes idées. Ton boulot se limite à ça. Le reste ne te regarde pas. C'est bien compris? Tu dois me concentrer sur moi. Je vois pas son visage. Normalement, ce genre de cryptage devrait être super facile à casser. Mais pas cette fois. Je sais pas qui c'est, mais c'est pas une lettre honneur du dimanche. Ouais, ou bien elle reçoit l'aide de quelqu'un. Là, il y a une zone rouge en fait. Je dois me concentrer sur quoi? Sur toute la tech que je vois? Sur toute la tech que je vois, les dispositifs de ta verre, tu m'occupes pas de ces messages? Le plus important, c'est qu'il ne se doute de rien. C'est pas important. Possible. Mais ils viennent tous de Pacifica. Au moins, ça réduit notre zone de recherche. Je dois me concentrer sur quoi? Il y a un autre truc à chercher? Ah bah oui, ça. Il me semble avoir déjà vu ça. C'est quoi? Des VV. Ça te parle ces trucs? Pas assez pour savoir ce qu'ils signifient. Mais je sais qu'ils pourraient s'en servir. Sur toute la tech. Qui ça? Peut-être les Voodoo Boys. Est-ce que l'intuition? Pas sûr à 100%. La bande de Netrunner flippant? Ils font en sorte d'être quasi impossible. Je dois me concentrer sur quoi? J'aurais même pas peur de commencer. Et maintenant? Je crois que je suis bon pour aller faire un tour à Pacifica. Bon, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. Allez, c'est parti!
Les compagnes. On dirait qu'Evelyne nous avait pas dit toute la vérité. Non, tu crois? Si j'avais su dans quoi elle s'était fourrée. Oh, je lui en veux! Son boulot, c'était juste d'enregistrer une virtu. C'est à peine croyable qu'elle ait réussi à planifier un cast de A à Z. Et à faucher la biopuce juste sous le nez de son boss. C'est là que t'es entrée en scène, qu'elle t'a engagé. Et qu'elle s'est mise dans ce merdier. Et toi aussi. Il y a un autre enregistrement. Tu veux le voir? Ouais, pourquoi pas. Plus rien peut me surprendre maintenant. Non, que c'est toujours Evelyne. Je sais pas. En créole haïtien, c'est des voodoo boys. Attends, je me demande si j'ai pas un traducteur automatique. En attendant, essaie de te caler sur la fréquence du téléphone. Check ce qu'on dit de l'autre côté. Oui, continuez-en. Trop en pas qu'à quoi. Et puis, il s'est chassé. C'est bon, juste une petite seconde. Faut qu'on sache ce qu'ils disent. Ça pourrait être important. Super, je viens de trouver le logiciel de traduction automatique. Il doit être compatible avec ton système. Je te l'installe. What the fuck? C'est bon, Judy, j'ai tout. D'accord, je te déconnecte. Ça va, facile. Je commence à l'aimer, Johnny, en vrai. Après, on parie combien? Il va crever, ou alors il va partir, et après, hop là. Johnny, c'est un bel enfoiré, hein, mais je sais pas pourquoi je l'aime bien. La biopuce m'a volé. L'engramme de Silverhand est gravé dessus. L'engramme? Sa psyché numérisée. Son construct de personnalité. Tu peux me laisser une minute? Je dois réfléchir à un truc dans ma tête. Ouais, pas de problème. Ces gens, qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir à Alt? Comment tu veux que je le sache? T'en as vraiment aucune idée? D'une manière ou d'une autre, tout nous ramène à cette Netrunner. Alors ça doit être notre priorité de la retrouver. Si elle en sait autant que je l'imagine sur la puce, alors elle pourra nous aider. Tu disais pas que rien pourrait nous aider? Putain, trouve-nous juste ces joujoux câblés, ok? Attends,
T'es en train de me dire que tu sais comment contacter les Voodoo Boys? Écoute, faut que je file. Je vais me renseigner, passer des coups de fil. Alors bonne chance. J'espère que t'en auras pas besoin. Merci, Johnny. Non, merci à toi. Appelez Hans. Hey, comment ça va? Il faut que je parle au chef des Voodoo Boys, si vous pouvez m'arranger ça. Bien, bien, bien. Tu perds pas de temps, toi, au moins. Tu dois parler de maman Brigitte. Ça va pas être facile d'organiser un entretien. Vous faites pas du tout affaire avec eux? Pas avec les autres chefs et autres sommités. Ils ont tous un ego hypertrophié. Ils ne vont pas s'abaisser à me parler. Mais si tu insistes, je peux me renseigner, essayer d'organiser un truc. Il me faut juste des détails avant. J'ai un truc qui vole. Vraiment? Tu veux vendre un truc au PDB? Moi, ils ont besoin de rien qui vienne de nous. Ils ont tout ce qu'il leur faut. Leurs propres contacts, tech, réseau. Mais c'est comme tu veux. Je vois ce que je peux faire, et je te recontacte. Salut, Fé. Le NCPD a reçu un appel à propos d'un cyberpsycho. Pour une fois, ils ont envoyé une patrouille. Seulement voilà, ça fait quelques heures qu'ils répondent plus. Alors soit ils sont partis. Excusez-moi. Enfin bref, tu veux bien aller vérifier pour moi? Merci d'avance. Non, c'est pas une voiture. Il est en ce sens. Le renard est prudent, craignant que l'eau ne soit contaminée. Il ne se montrera pas tant qu'il ne sera pas rassuré. Il étend sa soif si la brèche est à droite. Takumo. Merc, amateur. Oui, c'est Takumurama. J'utilise un prépayé avec une connexion sécurisée, mais je me suis dit qu'il avait mieux utilisé le code secret que j'ai inventé. Je me doutais que ça passerait dépasserait tes compétences. Rendez-vous sur les quais de Channel Street à Japontown. Ne t'as suivi, je me dévoilerai. C'est bien compris, il faut que je fasse plus simple. Tu vas te dévoiler, ça fait partie du code, ça aussi. Comment on dit dans ton pays déjà? Attends, ça va me revenir. Ah, je me souviens. Va niquer ta mère. D'abord surviendra le grand retour. Ouais. Ouais, elles sont nos pistes, frère. Je suis là, il y a un truc là. C'était la zone près du fond. Oula. Non mais laisse tomber frère avec ton truc, nique ta mère. Non mais enlève ça. Non. Arrête, je veux pas. C'était pas voulu. Donc, du coup j'ai besoin de le scanner lui mais je peux pas. Pourquoi combat? Je fais quoi? Non, pourquoi je peux pas courir? Je suis peut-être trop blindé. Non, inventaire. Que j'ai plein de fois la même arme. Wow, c'est quoi cette arme, frère? Bon, elle est moins puissante que celle-là, donc hop là, ça dégage. Ouais, non! Non!
Non. Jean, non. Jean, non. 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 Je voulais pas enlever cette arme. Non. Oh, le con. Bon, ben, on va prendre un... Oh, non. Oh non, non. Oh merde, je dois aussi avoir un truc requis. Quoi, mais comment ça requis de quoi, frère? Ah, donc je peux quand même prendre l'arme et je dois avoir un truc requis. Je comprends pas, du coup attends, je reprends l'autre arme. Hop, 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 la rouge, voilà, elle est là. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula, non. Oula, là, là, là. Oula, non, 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 non. Voilà, ça, c'est mieux. Là, toujours le même. Il y a du nouveau. Oula, non, c'est moche. Remets les anciennes. Mais en fait, ça va quand même bien. Ouais, je vais les mettre parce qu'en fait, ça, elle va bien avec ma tenue. Je sais pas. Je trouve ouais, qu'elle va bien avec ma tenue. Du coup, bah vas-y en fait. Alors ça. Oula non, c'est trop moche. Voilà. Casquette. Et donc j'ai quand même gagné des trucs. Ouais non, c'est pas stylé. On déséquipe. Bon bah, let's go. Hein. Je peux courir maintenant ou pas? C'est parce que j'ai enlevé des armes. Non? On sait quand qu'il va me... Qu'il va me rappeler, là, ce con. Plus soir, si je dois tout faire à pied... Non, merci, hein, mais vraiment. Attends, ça m'use de... Mais pourquoi je peux pas courir? Moi, je veux courir. Je dois vraiment enlever beaucoup de trucs, hein. T'as rien... Non. Sac. Alors. Ah, mais j'ai des trucs comme ça, moi. Quel est le plus puissant? 241, 129, 248. À la place de cette arme, de ce pistolet, on va prendre... On va aller là-dedans. On va prendre ça. Mais frère, moi, j'avais pas vu, moi, qu'il y avait des trucs comme ça. Est-ce que j'ai des doubles? Ah oui, j'ai le même. Bah, du coup, il dégage. Hein. Sac. On va aller là-dedans. Si j'ai deux fois la même chose, ça dégage, ok? Bon, déjà, les chapeaux, moi, je vais jamais en mettre, donc ça peut dégager. Même chose pour les suites. Ça va, je vais jamais les mettre, donc ça dégage. Ça, c'est trop moche, donc hop, là, ça dégage. Ça aussi, j'aime pas, donc hop, là, ça dégage. Ça aussi, c'est moche, hop, là, ça dégage. Même chose pour ça, hop là ça dégage. Bon, je peux courir là. Spra, spra, spra. Juste pourquoi je peux pas reprendre ma voiture? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi je peux pas. Pépé, pépé. Bah attends, vas-y, j'ai juste à faire ça, comme ça moi ça m'avance beaucoup plus vite.
Bra. Ça me tire dessus ou... Putain, des robots, mais c'est quoi les robots? Parce que j'en vois même pas, moi. T'as l'impression qu'on me tire dessus alors que pas du tout. Cyberpsycho, repérer les démons de la guerre. Ah. Attends, je vais aller dans mes... Attends. Maintenir pour acquérir. Bah, let's go, mais sauf que les autres, ah ouais, d'accord. C'est comme ça, ah ouais. Bah, du coup, ça c'est. Ah, mais non, j'ai pas encore eu. Ça j'ai déjà. Moi j'ai 150 mètres à faire sans courir. Let's go, écoute. Hein. Moi pourquoi ça tire? Alors qu'il n'y a rien, les mecs. Non! 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 Q. Mais c'est pas parce que je suis trop lourd, parce que là je viens de faire le tri. Donc pourquoi je peux pas. Statistique. Je sais pas. Si ceux qui connaissent dans l'espace commentaire pourraient me dire, ça serait super, super, super sympa parce que vraiment, je suis perdu moi en fait. Je sais pas pourquoi, je peux pas. Soit c'est parce que j'ai pas. Parce que je n'arrive pas à me recharger. Déjà, pourquoi j'ai pas ma voiture? C'est ça que je comprends pas. Est-ce qu'elle est sur la carte, ma voiture? Plus souvent, je vais dans le centre-ville. Centre-ville? Non, ça c'est Watson. Voilà, le centre-ville, il est là. Le plus souvent, c'est que ma voiture devrait être là parce que j'ai pas quitté le centre-ville depuis que j'ai plus ma voiture. Donc, comment ça se fait en fait? Parce que si à chaque fois je dois voler des voitures, frère. Alors qu'en plus j'ai pas encore les compétences pour. Ça va pas être bon, hein. Stop-toi, please. Je te dis stop-toi en fait. Non, mais c'est l'autre côté qu'il faut aller. Putain, ça va être tellement chiant. Vous savez quoi, les gars? On va y aller après. Donc en espérant que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. C'était Roxy et je vous dis ciao.